Bonjour, Pélagie qui vous filme le parc du Mont, de la maison de l'environnement. Comme vous pouvez le constater, ce parc est rempli d'arbres, des vergetures, tout ça. C'est un bon parc pour venir déjeuner avec vos enfants, partager un moment convivial de découverte. Ici, nous avons la partie toboggan pour les petits. Pour les plus petits, une petite partie d'air de jeu que nous pouvons voir. Nous pouvons apercevoir ici. Ce parc est très grand. Plusieurs activités d'ailleurs est proposées ici aux enfants et à leur famille. Découvrir plusieurs choses sur l'environnement. Là, vous pouvez apercevoir la maison de l'environnement qui est fermée, mais qui n'empêche pas aux visiteurs de venir profiter de ce coin. Aussi très très joli. De ce côté, nous avons une petite sculpture. Très belle d'ailleurs, représentant une main. Signifiant protection de l'environnement. Ce parc est très grand. Et très calme aussi à la fois. Ici, nous allons nous diriger vers le jardin pédagogique. Plusieurs plantations. Je ne saurais vous dire lesquelles plantations, étant donné qu'il n'y a pas de légende pour ces plantations. Ah, voici une légende. Ici, c'est les pommiers Golden Delicious que vous pouvez apercevoir ici.
ici, nous avons des pommes. Renettes qui sont en train de pousser. C'est impressionnant. Très impressionnant tout ça. C'est très joli à la fois. Le parc est très beau, très chaleureux à la fois, une petite cabane. Toujours du côté du jardin pédagogique. Nous avons plusieurs vertus. Très joli d'ailleurs. De ce côté, nous avons un petit étang avec des nénuphars, donc nous n'apercevons pas une petite grenouille. C'est vraiment un parc de découverte, hein. Basé sur tout l'environnement qui nous entoure. Permet d'ailleurs aux petits et aussi aux parents d'apprendre des choses très intéressantes sur l'environnement que nous ignorons. Il est grand cet arbre. Ce parc est très grand. La construction autour des arbres, tout en bois, très solide. Vous l'avez indiqué plus tôt, nous avons un petit coin air de jeu pour les 0 à 12 ans. Très chaleureux.
vous voyez comment ce parc est rempli d'arbres. Et vertu. Impressionnant les uns après les autres. La grandeur de ce parc est très impressionnant pour une première, vu que moi-même je le découvre pour une première fois. Et je trouve qu'il est très 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 impressionnant. Et surtout très bien placé et très beau. Un petit coin de paradis. Je sais pas c'est quel genre de plant, de fleurs celle-ci. Elles sont très belles. J'encourage toute famille venant faire découvrir à son enfant la nature, de venir au parc de à la maison de l'environnement, ici à Aulnay-sous-Bois, qui aura l'honneur de vous accueillir les bras ouverts afin de vous faire découvrir son parc et ses diverses activités sur la nature. Impressionnant. Sur cette fin de reportage, la maison de l'environnement. Je vous convie à venir le découvrir. Pour conclure notre fin de mini-reportage, nous sommes au parc de la maison de l'environnement, parc très agréable et très convivial aussi. J'invite tous parents et jeunes à venir se joindre à ce magnifique parc pour une découverte très enrichissante. Et tout ça pour vous dire que ce parc est très grand et très bien installé. Je vous invite tous à venir. Donc, troisième samedi du mois,
parc de la Maison de l'Environnement. Ici Pélagie, pour le moment, il n'est pas encore.